Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans le nouveau millénaire de 2048, motherfucker. So, ce soir, nous allons voir le dernier homme mortel sur Terre et il va bientôt crever. En direct de Bonsoir, bonsoir, avec notre chère collègue Laetitia, nous allons découvrir le nouveau phénomène mortel, Mr. Nobody. Il n'est personne, il est tout seul, il est triste, il est paumé, il va crever. Mr. Nobody, c'est l'histoire de Nemo Nobody, un centenaire qui, en 2092, est le dernier mortel sur Terre. Il s'interroge sur les choix qui se sont offerts à lui durant toute sa vie. À la séparation de ses parents, doit-il vivre avec son père ou avec sa mère? Comme femme, doit-il prendre Anna, Jeanne ou Élise? Toutes les vies possibles, tant qu'il n'a pas fait de choix, se mélangent alors dans un tourbillon qui nous touche en plein cœur. Le choix. Hein? Qui parle? Toute ta vie dépendra de chacun de tes choix. Il faut que je choisisse! Choisis bien! Ah, papa, choisir! Non! Le sucre! Ou le laitier? Le choix! Et la qualité des images, des couleurs et des choix de cadrage est impressionnant. Morphing, gros plan, ralenti, tout est filmé avec une maestria quasi parfaite. Le jeu des comédiens et le climax de leur situation démultipliée est bluffante. Mais... je suis pas amoureuse de toi, je suis amoureuse de... Stefano, j'arrive pas à le sortir de ma tête. Tu m'aimes pas quoi, si je comprends bien. Mais non! Le film nous bouscule carrément, mais de manière agréable. Il est tantôt drôle, tantôt émouvant, tantôt fascinant avec son esthétique de science-fiction ultra léchée. Ce film fourmille d'innovations, de trouvailles réussies, tout en posant un questionnement fondamental sur la condition humaine. Nous, on voudrait un enfant qui soit plutôt grand. Pas grand, pas trop non plus, mais bien proportionné. Et il aurait des bonnes notes à l'école, ça c'est important, les bonnes notes. Ah, alors nous, ouais, on voudrait un enfant qui soit... Bah vas-y, ta gueule, là. L'enfant, il va pas nous péter les couilles, de toute façon. Il a intérêt à se coucher tôt, manger tout ce qu'on lui dit, faire ses devoirs, sinon on le défonce sa gueule. T'as compris? On va pas se laisser emmerder par un putain de mioche. Ferme ta gueule, toi, que tu parles. Nous, on veut un enfant, mais... enfanté, vous avez pensé au sens de ce mot? C'est un peu comme une coquille d'œuf qui s'ouvre et qui se craque. Un ballon de basket qui se craquelle pour offrir la vie. Un petit coquillage qui s'ouvre dans la mer et qui sent l'eau iodée. Oh, c'est beau. Bon ben, on baise et on verra après. Personnel, engagé et magnifique, Mr. Nobody, courez dans les salles de cinéma pour vous régaler. Ou sinon, Sego vous donnera une fessée. Au revoir. Cher Sego, j'ai tout simplement adoré ce film, de la bombe. Ouais.